Bonjour. Pendant cette séance de lecture, on va voir le texte qui s'intitule Interdit aux brutes. Interdit aux brutes, la page 40 du livre du manuel de lecture, cinquième année, module 3. Donc, module 3, page 40, cinquième année. Manuel de lecture. On va voir le texte. Interdit aux brutes. Alex est une vraie brute. À l'école ou pendant les jeux, il nous oblige toujours à faire ce qu'il décide, en nous disant, c'est moi qui commande. Un jour, un nouvel élève arrive. C'est Emmanuel. Emmanuel ne sait pas encore que cet Alex est une vraie brute. Aussi, quand Alex fait tomber Guillaume, Emmanuel aide le jeune garçon à se relever. Quand Alex veut jouer aux billes à sa façon, Emmanuel lui dit, il faut respecter les règles du jeu. Emmanuel demande un jour à Alex, veux-tu venir voir notre cabane? Alex refuse, mais après un moment, il nous rejoint dans la cabane et nous dit, maintenant, voici à quoi on va jouer. Manuel l'interrompt. Il lui dit, c'est notre cabane. Ici, on décide ensemble. Ici, tu ne peux pas commander tout seul. D'accord? Alex baisse la tête, puis il propose de nous aider à construire le toit de la cabane. Quand tout est fini, Emmanuel nous dit, j'ai une surprise pour vous, regardez. Et il nous montre la pancarte qu'il a accrochée à l'entrée de la cabane. Interdit aux brutes. Tout le monde applaudit, même Alex. Donc, on va comprendre ce texte. Regardez la première image. Donc, cette image, c'est que Emmanuel aide le jeune garçon à se relever. Voilà la phrase. Emmanuel aide le jeune garçon à se relever. Donc, Emmanuel ne sait pas. Aussi, quand Alex fait tomber Guillaume, Emmanuel aide le jeune garçon à se relever. Deuxième page, l'autre image. Voilà. Les enfants sont devant la cabane et voilà une pancarte où c'est écrit interdit aux brutes. Voilà. Donc, on va comprendre les phrases du texte, le sens des phrases, le sens des mots. Donc, on va commencer. Interdit aux brutes. Donc, il n'est pas permis aux brutes. Alex est une vraie brute, c'est-à-dire Alex qui vraie brute, c'est-à-dire il est méchant, il frappe et il n'est pas bon avec ses amis. À l'école ou pendant les jeux, il nous oblige toujours à faire ce qu'il décide. Oblige, c'est-à-dire il exige, il ordonne les autres, donc il oblige les enfants à faire ce qu'ils décident, en nous disant, c'est moi qui commande. C'est-à-dire que c'est moi qui est le chef, qui commande, qui guide les autres. Un jour, un nouvel élève, c'est-à-dire nouveau, arrive, c'est Emmanuel. Emmanuel ne sait pas encore que cet Alex est une vraie brute. Aussi, quand Alex fait tomber Guillaume, Emmanuel aide le jeune garçon à se relever. Donc, il le prend de ses mains ou de son corps et le relève. Il l'aide à se relever. Quand Alex veut jouer aux billes à sa façon, Emmanuel lui dit, il faut respecter les règles du jeu. Donc, à sa façon, il ne veut pas respecter les règles, Alex. Emmanuel demande un jour à Alex, veux-tu venir voir notre cabane? Alex refuse, c'est-à-dire n'accepte pas, refuse. Mais après un moment, il nous rejoint
dans la cabane. Donc, il rencontre les amis, il arrive, il nous rejoint les enfants, c'est-à-dire il va près d'eux. Il nous rejoint dans la cabane et nous dit, maintenant, voici à quoi on va jouer. Emmanuel l'interrompt, il lui dit. Interrompt, c'est-à-dire, il lui coupe la parole, il ne le laisse pas terminer sa phrase. C'est notre cabane et ici on décide ensemble. Ici, tu ne peux pas commander tout seul, d'accord? Donc, Emmanuel dit à Alex, il ne faut pas commander les autres. On va voir l'autre page. Alex baisse la tête, c'est-à-dire il lève la tête et le contraire baisse en bas la tête, puis il propose de nous aider à construire le toit de la cabane. Quand tout est fini, Emmanuel nous dit, qu'est-ce qu'il nous dit? J'ai une surprise pour vous. Regardez. Et il nous montre la pancarte. Pancarte qu'il a accrochée à l'entrée de la cabane. Voilà la pancarte qui est accrochée. Interdit aux brutes, c'est écrit sur la. Tout le monde applaudit, même Alex. On va présenter aussi le texte. Quel est le titre de ce texte? Voilà le titre. Le titre de ce texte, c'est Interdit aux brutes. Quel est l'auteur de ce texte? Deuxième page en bas. En dessous du texte. Donc, Lizzie Boyol. C'est l'auteur de ce texte. Lizzie Boyol. Quels sont les personnages du texte? Est-ce qu'il y a un héros, une héroïne? Donc, on voit la première page. Donc, on a Alex qui est une vraie brute. On a aussi Emmanuel, qui est un nouvel élève. Et regardez, c'est Guillaume. Donc Alex fait tomber Guillaume. Donc il y a un enfant qui s'appelle Guillaume. Guillaume. C'est numéro 6, la ligne numéro 6. Donc, et les enfants, les amis aussi, sont des personnages secondaires. Donc, on peut se dire où se passe cette scène. Cette scène se passe devant la cabane. Donc ici à l'école, numéro 1, à l'école ou pendant les jeux, il nous oblige toujours à faire ce qu'il décide en nous disant c'est moi qui commande, c'est-à-dire c'est moi qui est le chef. Donc, dans l'école, il y en a aussi devant la cabane. Voilà, à l'école. Dans les jeux, il nous oblige toujours à faire ce qu'il décide en nous disant c'est moi qui commande. 1, 2, 3. Aussi, ici, on va trouver la deuxième page. Donc, devant. Donc, Manuel nous dit j'ai une surprise pour vous. Et il nous montre la pancarte qu'il a accrochée à l'entrée de la cabane. Donc, cette pancarte est affichée sur l'entrée de la cabane. Et les enfants sont devant la pancarte, devant la cabane. Les événements. Donc, Alex est méchant. Alex est méchant. Il oblige ses amis à faire ce qu'il veut. Il ne respecte pas les règles du jeu. Et un jour, Emmanuel, un élève aussi, arrive. Il aide
Emmanuel aide Guillaume à se relever. Il est bon et il est bien organisé. Il est gentil avec ses amis. Donc, ça, c'est les événements. Ils ont construit, les enfants ont construit une cabane et ils ont écrit sur une pancarte, hein, interdit aux Brites, c'est-à-dire, n'entre pas dans la cabane, Alex, mais c'est écrit interdit aux Brites, mais Alex applaudit. Donc il est devenu comme les autres, Alex. Donc maintenant il n'est pas Brite, il respecte ses amis et les règles du jeu. Le type de cette leçon ou de ce texte, le type de ce texte est une, c'est un récit, comme vous voyez des phrases, hein? Et il y a des, il y a des répliques. Veux-tu venir voir notre cabane? Maintenant, voici à quoi on va jouer. C'est notre cabane. Et si on décide ensemble? Et si tu ne peux pas commander tout seul? D'accord? Ce sont des répliques. Ils sont dans des répliques dans un récit. Voilà les événements du type, on l'a déjà dit. Donc, on peut maintenant répondre aux questions. Regardez, deuxième page. Donc, je réponds aux questions. Premièrement, quels sont les deux détails qui montrent qu'Alex est une vraie brute? Les deux détails qui montrent qu'Alex est une vraie brute sont, donc, à page 1. Donc, voilà numéro 1. Il nous oblige toujours à faire ce qu'il décide en nous disant. C'est moi qui commande. Voilà, c'est une vraie brute. Aussi, ligne numéro 6. Quand Alex fait tomber Guillaume, Emmanuel aide le jeune garçon à se relever. Donc, Alex pousse Guillaume et le fait tomber. Ici, quand Alex veut jouer aux billes à sa façon, donc il joue aux billes à sa façon, il ne respecte pas les règles. Voilà la première question. Deuxième question, finalement, est-ce qu'Alex a changé de comportement? Finalement, Alex a changé ce comportement parce qu'il applaudit. Maintenant, il respecte les règles du jeu, respecte les autres, ses amis. Donc, il a changé de comportement. Troisième question, que pense-t-il d'Emmanuel? Emmanuel est gentil, il est bon, il n'est pas méchant. Il est gentil avec ses amis. Donc, il aide Guillaume à se relever. Il est bien avec ses amis. Et vous avez maintenant trois mots qu'il faut apprendre par cœur et faire des phrases avec. Il faut apprendre par cœur l'écriture. Donc, il faut apprendre par cœur son écriture. Il y a trois écritures. On a toujours, après, mais. Toujours, par exemple, une phrase. Il sort toujours avec, en portant un costume. Après, écrit après, S. Après 2 jours, il est revenu de son travail. Mais, par exemple, une phrase, Aline
aider les autres, mais elle est pauvre. Bon. Faut pas. Donc. Voilà les trois mots toujours après, mais on a fait produire des phrases, donc à vous de produire aussi et apprenez l'écriture, comment s'écrit toujours après, et vous dictez sur l'ardoise, vous, votre père ou mère ou quelqu'un d'autre qui peut vous aider, donc il vous dicte et vous écrivez sur l'ardoise. Donc, merci de votre attention. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur s'abonner de la chaîne, de ma chaîne YouTube, Faisal SLV. Faisal SLV. Merci de votre attention et à une autre fois.